Bonjour à toutes, bonjour à tous, de retour à Rumilly pour vous proposer ce qui sera peut-être la partie de la journée, en tout cas le premier énorme choc de ces championnats de Ligue triplette Auvergne-Rhône-Alpes. Et cette partie, je vais laisser le soin à mon ami Stéphane Cagnon de la présenter. Salut Pierre, merci, bonjour à tous. Évidemment, tu l'as précédé, une finale peut-être avant la lettre qui va opposer les Blancs de Décines que vous avez vu récemment, Loire, Van Campenhout et Riel. Et ils seront opposés à la légende de la pétanque, le joueur du XXe siècle, Christian Fasino, associé à Clément Bousquet et Guy Vincent de Bron, une équipe récemment vainqueur de la Coupe de France des clubs. Donc un choc en perspective. Bien voilà. Malin qui peut dire qu'il va l'emporter. Voilà, en tout cas, une partie 100% Rhône, puisque Décines et Bron, ce sont deux localités de ce département. Et ça mérite d'être souligné aussi, parce qu'on a vu quand même, lors de ces championnats de Ligue, s'affronter des joueurs et des joueuses, en l'occurrence, aujourd'hui, venus de 12 départements différents. Là, c'est le département phare de la région, enfin, du moins, si on en croit par le nombre de grands clubs et de grands champions qui sont licenciés, c'est le Rhône qui va désigner son vainqueur entre cette partie-là de Décines de Michel Lois, de Fabrice Riel et de Michel Van Campenhout, cette partie qui a suivi son bonhomme de chemin plus ou moins bien toute la journée, avec des très très belles phases de jeu, des phases un petit peu plus difficiles, quelques parties un peu arrachées un peu avec les dents. Et là, c'est le test grandeur nature face à, tu le disais, face à un joueur qui fascine toujours. Il s'appelle Fasino, mais on est nous-mêmes fascinés par ces joueurs depuis bientôt 50 ans, je crois. Il continue à être en haut de l'affiche. Il a gagné récemment, vous le savez, le trophée des villes en fin d'année avec ce jeune homme-là qui l'accompagne, Clément Bousquet. Et puis Guy Vincent, c'est aussi une valeur sûre. Hein. Il a été vice-champion de France, il a été demi-finaliste champion de France de tête-à-tête jadis. Et il continue à fournir un jeu de grande qualité. On va sûrement assister à un très 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 gros affrontement. Et puis alors, paramètre important dans cette partie, c'est qu'en cas de victoire, ça offrira un joker à l'équipe, puisqu'en étant en demi-finale, eh bien, le perdant de la demi-finale aura une partie de barrage pour le troisième ticket. Donc, Là c'est un quart de finale. Là c'est un quart de finale, mais en gagnant cette partie, donc en accédant à la demi-finale, ils auront un joker pour... Ils auront deux jokers, les équipes pourront se, en cas de défaite en demi-finale, faire la petite finale pour le troisième ticket. Donc une partie très très importante. Alors bien sûr, il y a encore du beau monde dans cette compétition, mais effectivement, là on a peut-être certainement les deux équipes favorites au départ qui vont s'affronter. Alors, j'ai failli dire avant la boule pointée qu'il y avait peut-être un petit avantage du terrain à l'équipe de Décines qui avait joué là la partie d'avant. Mais bon. Le terrain en fait il est très difficile, mais il n'est pas si difficile que ça à déchiffrer, hein, puisque de toute façon c'est interdit de faire rouler, c'est interdit de faire de la demi-donnée. Il faut juste arriver à bloquer des boules très près du but. Donc c'est pas difficile à comprendre, c'est difficile à réaliser par contre, parce que c'est certainement le geste le plus difficile techniquement de la pétanque. Et à réaliser tout le long de la partie, hein. On l'a vu là, la partie précédente, ça a joué systématiquement entre 8,50 m et 10 mètres. On sait la difficulté de tenir dans la longueur, surtout sur ce geste de l'envoi qui est quand même très très compliqué. Voilà. Et là, avec une très grosse prise de risque de Fabrice Riel, parce que vous l'avez vu, il a bloqué sa boule à la perfection, mais il l'a bloqué avec une boule qui n'était pas tellement soulevée. Et donc la moindre mauvaise frappe, ça peut faire un point de 2 mètres. En tout cas, ça paye parce qu'avec ce trou de Bousquet, Il aura regagné deux boules Riel. Fasino qui ne va pas jouer, puisque c'est... Ah si, c'est lui qui va jouer.
Alors on a l'impression qu'il a regardé une donne pour pointer. Ouais. Mais je pense qu'il va tirer. C'est ça. Il trompe toujours son. Il trompe toujours son public, hein, non? Oui, si, il va tirer. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup vu aujourd'hui, hein, parce que depuis le début ce matin, là, Christian Fasino, ben, il fait carton plein, hein, il fait un jeu phénoménal, au point comme au tir. Allez, petite mise en route, hein, c'est la première main. Ils ont peut-être terminé la partie précédente déjà quelques temps. Ça, c'est très bien joué. Très bien joué parce qu'il a regagné le point Vincent et puis il s'est positionné de manière à pouvoir avoir éventuellement contre bouchon, contre la boule. Hein. Donc ça sont des boules extrêmement intéressantes. Voilà, le danger est écarté par Michel Bois. C'est là qu'on a vu dans la partie précédente avoir quelques difficultés de réglage, des difficultés à trouver la courbe. Souvent droit mais court. Mais là on peut s'attendre à ce qu'il la trouve, hein, parce que ces grands rendez-vous, là, que ce soit Fasino ou Michel Lois, ils sont toujours présents. Hein. Alors, deux boules à une pour les blancs de dessine, avec le point par terre. Voilà, qu'est-ce qu'il est allé nous faire ? La touche du maître. Oh, il y a toujours un petit plus quand même, quand Fasino joue. Alors, évidemment, il a regagné le point, mais vous l'avez vu, il a posé un verrou. Ça aussi, c'est très très bien joué. Il est arrivé à bloquer ces deux boules parfaitement, Fabrice Rine. Et donc, à arracher la marque, c'était pas évident, hein, ce devant de boule de Fasino. Allez, dernière boule de la main. Et ça sera un peu long, ça sera un seul point pour... L'équipe Lois qui ouvre le score dans cette partie. Allez, deuxième main, 1-0 pour Lois. Voilà, un petit
peu longue de 24 août va certainement pointer. C'est repris. S'il y avait une boule noire à gauche, on serait dans le tir de précision là. Oh, de toute façon, il va prêter 24 minutes parce que il peut encore le gagner, puis il peut être avantagé s'il est long en rencontrant la boule adverse. Et c'est repris. Et ça suffira, mais maintenant il va tirer Michel Loi parce qu'il a deux très bons points en frappant. Même s'il venait emballer les deux boules, il garderait le point de gauche. Ça c'est pas mal réussi parce qu'il avait frappé la sienne. Il a juste écarté la boule de Vincent. Il reste toujours à dessiner. Alors 3 boules à 3, point pour dessiner. Voilà, Michel Loi, il attend parce que l'arbitre s'est déplacé pour faire une remarque à Guy Vincent. Ouais, c'est ça, Vincent qui avait un petit peu décollé les pieds avant l'arrivée de sa boule. Bien tiré. Et c'est regagné pour Vosino. On va solliciter Fabrice Ril. Pas beaucoup de déchets dans cette main hein, pour l'instant. Non. Point au tir, on a quasiment joué toutes les boules. Alors, boule à boule, toujours point pour Dessine.
Ah, une boule qui n'est pas sortie de la donnée. Est-ce que ça suffit à faire la reprise? Et on dirait que oui. Non, c'est pas sûr quand même. C'est pas sûr, je pense que le point est resté à loin et que Ril va jouer pour ajouter. Bien vu Pierre. Un petit moment de doute, mais non. Allez, dernière boule de la main. Et ça sera vraisemblablement deux points. Tout ça sous les yeux et l'appareil photo de Jean-Pierre Cartier, membre du comité Aura, qui sillonne les terrains comme toi Pierre pour proposer de belles photos de ces champions. Une partie qui commence et puis on sent déjà l'ambiance très particulière des grandes rencontres. Ça, c'est six joueurs vraiment bien dans la partie déjà, concentrés, attentifs à avoir le moins de déchets possible. Ouais, et puis ce sont des joueurs qui se rencontrent régulièrement après pendant la saison estivale des concours nationaux, donc on se craint. Et puis déjà, ils se sont côtoyés dans le championnat du Rhône. Hein. Il y a un mois, je crois. Ça, c'est de la boule bien bloquée. Qu'il ne suffira pas à faire jouer. Quatre boules contre quatre, et c'est à présent les joueurs de Brown qui ont pris le désavantage de boules. Un joueur qu'on est toujours heureux de retrouver sur le terrain. Beaucoup de talent, beaucoup d'expérience. Ouais, qui est passé tout près du Graal il y a quelques années, associé à Christophe Sarriou et le regretté Zaza Bouhamar, en perdant en finale du championnat de France contre la Dream Team. C'est ça. Après avoir largement mené, longtemps mené même. C'est ça, c'était en 2008 à Clermont-Ferrand. On le connaissait déjà, Guy Vincent, parce qu'il avait été en 1997, il avait été demi-finaliste du championnat de France, tête à tête. C'était déjà une des valeurs sûres du Rhône, alors que Christophe Sarriou, c'était un petit jeune qu'on découvrait. Guy Vincent qui fait aussi les beaux jours du circuit vétéran. Alors on se rend coup pour coup là pour l'instant, pointé tiré, est-ce que ça va continuer? L'avantage de boule est dans les mains à Dessine pour l'instant.
Ah, voilà le carreau qui. Parce que quand on tire, on espère réaliser sa main de tir, mais on espère aussi laisser quelques petits points par terre au passage, là, avec quelques petits palets, quelques carreaux. Et là, c'est deux points au sol maintenant hein, pour Loi. Une belle main à concrétiser pour Fabrice Rille. Restée dans son trou, mais elle a gagné le point. Bon, c'est peut-être pas plus mal à partir du moment où l'équipe de dessiner va les tirer. S'il prend le carreau, ça lui laissera encore de la place pour le regagner derrière. Ah oui, puis elle a plus de chemin à faire pour. Oui. Et si. Oh là là. S'il avait pris carreau à côté du but, c'était compliqué pour marquer, alors que là, la main s'est même inversée. Allez, boule à boule, et puis ça s'est retourné. Point pour l'équipe de Bron. Oui, et puis l'occasion dans Fasino avait besoin, hein, parce qu'elle était menée 0 à 3, mais il fallait essayer de trouver une marque sur cette main. Elle n'était pas du tout. Cette main, elle pouvait très mal tourner pour l'équipe de Bron, hein, parce que ça pouvait être 3, peut-être 4 points hein, pour Lois, si Cyril avait bien tiré. Et là, maintenant, Fasino, il a une ouverture. Elle est là, c'est suffit de frapper cette boule pour marquer, et puis qui sait, peut-être la possibilité de faire un deuxième. On sait que ce sont les boules sur lesquelles généralement Christian Fasino parvient à accélérer. Et voilà, le deuxième point. Et voilà, il a saisi l'occasion pour revenir 2 à 3 Christian Fasino dans cette partie dont on se régale déjà par avance. Et puis quand même, quel joueur, on ne va pas rappeler son âge parce que finalement, il y a déjà bien longtemps qu'il est vétéran, mais il arrive toujours à être au top, c'est phénoménal quand même de voir ce joueur qui était déjà champion de France à 19 ans, hein, c'est-à-dire il y a 50 ans, hein, et qui est toujours, alors j'allais dire au top niveau mondial, mais là on n'est plus capable de savoir parce qu'il y a bien longtemps qu'il n'a pas porté le maillot de l'équipe de France, mais en tout cas il est toujours, c'est toujours un des rois du circuit, c'est magnifique. Et puis je crois qu'il a toujours aussi soif de victoire. Hein. Exactement. Ça c'est quand même important hein, quand on est sur les terrains. On voit quelquefois des équipes qui s'effondrent, des équipes qui se liquéfient, des équipes qui n'y croient plus trop, mais lui, s'il y en a un qui y croit jusqu'au bout, c'est bien lui, je crois. C'est ça, c'est beau de le voir jouer, puis c'est beau aussi de voir sur un terrain comme ça quelqu'un qui représente tout un pan de l'histoire de la pétanque. D'ailleurs, j'en profite pour vous recommander la lecture de son livre, qui est vraiment... exceptionnel, il m'avait fait le plaisir l'an dernier de me l'envoyer son livre. J'avais commencé à le lire en me disant bon, de toute façon je ne vais pas découvrir grand chose. Et puis vraiment c'est une lecture délicieuse. Je vous recommande de lire ce livre de Christian Casino. Fasino, non pas Casino. On peut peut-être le trouver au casino, mais. Je crois pas. Je crois pas. Ah, Michel Loi qui retombe un petit peu dans ses travers de la partie précédente. Manque de courbe, bien droit, mais une boule qui ne se donne pas du tout sur ce terrain, on l'a dit tout à l'heure, où c'est quasiment du béton dessous. Tellement le terrain est tassé.
Il n'y a plus aucune boulangerie. Et donc, c'est, comme on dit par chez moi, qui a joué, joue. Donc, c'est à Décines de jouer. Son là qui a un petit peu de marge, hein, qui a fait presque carton plein lui au point, hein, depuis le début. Il n'avait pas l'avantage du terrain, mais il a quasiment été parfait jusqu'à présent. Fazino, les deux meilleurs joueurs sont milieu, pas un hasard. Ah ben oui, c'est que le poste de milieu, on y met le meilleur. Enfin, des fois, quand on peut faire autrement, on y met le moins bon aussi. Mais en général, c'est comme ça. Alors ça se complique un petit peu là pour l'équipe à Michel Lois. Ils sont deux boules contre quatre, le point contre eux, et un très très beau point. Ou casquette. Ouh là 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 là. Ah, avec son tir tendu, je pense qu'il doit l'avoir explosé la boule. Elle est toujours là, elle est toujours là et... Et là, c'est une vraie occasion pour l'équipe de Bromp de prendre la tête. Il aurait presque intérêt à se coller à la boule plutôt que d'aller gagner le point. Ah, je crois que c'est ce qu'il va faire avant Capanous. Alors là. Alors celle-là, elle est 1m50 devant le but. L'autre est à 1m derrière. C'est un boulevard là qui s'offre à Fazino et à ses amis. Alors deux boules à Fazino, deux boules à Bousquet. Et tu l'as dit, quasiment un mètre tout autour du but. Hein. Ça veut dire 2 mètres hein, de diamètre. Ça paraît énorme comme ça. Un petit peu moins peut-être sur ce terrain, mais on l'a vu, on parlait de ce terrain assez difficile. Et finalement, on a eu beaucoup de pointeurs qui l'ont très très bien maîtrisé. 4 boules de rajout, ça peut être effectivement un tournant où il est. Ouh là 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 là. Alors ça c'est inattendu, hein. Il a certainement perdu le point Fazino. Il va jouer avec, donc c'est la preuve qu'il ne l'a pas gagné. Enfin, qu'il n'a pas rajouté, du moins. Je pense qu'il ne doit pas être très très facile à rentrer, parce qu'elle est déjà un petit peu pas enterrée, mais hein, on voit qu'elle est quand même pas totalement à la surface du jeu. Celui-là, sans problème. C'est ça, mais en même temps, cette boule, il ne manque certainement que quelques centimètres, donc... En ayant la force d'aller au bouchon, je pense que elle est plutôt facile à jouer. Ouais, Christian Fazino qui parle de 2 cm, hein, donc effectivement, il manque vraiment pas grand chose. Alors là, il l'a poussé d'un centimètre, il va falloir encore. Il y en a 3, c'est sûr. Il
Oh, incroyable, il a piqué dur. Ah, bon, il y a des chances qu'il y soit quand même. Ah bah là, celle-ci, on ne pourra plus la mesurer puisqu'elle n'est plus là. Oui. Alors, il y en a trois, donc on va regarder peut-être... Il y a le carreau de la boule adverse. Sur la boule à Bousquet. Ah bah, de toute façon, il ne peut pas dire autre chose à l'arbitre que 3 points. Hein. N'était pas marqué, donc c'est une boule adverse qui est venue percuter la boule à Clément Bousquet, donc impossible de la remettre en place, évidemment. Il y a pas mal de frustration quand même pendant l'équipe de Bron, parce que c'est une main où on pouvait faire facilement 5 points, et puis 3 c'est quand même une petite recette. Alors évidemment, ça permet à Fasino de prendre la tête, 5-3, mais ça pouvait lui permettre déjà un break qui n'est pas fait. Avertissement sans frais pour Décide, on va dire. C'est ça. Vincent qui continue son festival au point. Je ne sais pas s'il a manqué une boule au point jusqu'à présent. Ah, ça, c'est vraiment un gros client pour vaincre un autre. Hein. C'est pas que je suis surpris, mais c'est vrai que là, il tient la route là pour l'instant. Et on a tourné dans l'équipe de Décines, c'est Fabrice Ril qui va pointer. Bien joué, elle a fait un petit peu trop de route là, la boule de Ril. Ouais, et puis c'est surtout qu'elle est derrière. Hein. Je pense qu'il aurait préféré. De toute façon, il va falloir tirer. Hein. Oui, mais il aurait préféré être court devant, c'est éviter tout contre ou chose de ce genre. On n'est jamais à l'abri avec une boule derrière, hein, comme on dit chez nous et comme tu l'as certainement indiqué dans ton livre, boule derrière, boule de misère. Ça porte bien son nom souvent. Ah oui, surtout si. Le terrain est préparé par un chat noir comme toi. Là. Ouf, mon honneur est sauf. Mais enfin, elle peut encore hériter. Hein. Elle est là, cette boule. Alors, c'est un très très beau point. Ouais, c'est surtout un point qui peut se perdre, hein, qui peut se perdre une fois sur deux. Au moins. Eh bien, ça ne sera pas le cas pour cette deuxième boule de Guy Vincent qui joue à la perfection. Ça compte. Ah, il en a tiré plusieurs comme ça qu'il n'a pas attrapé hein, tout à l'heure, Michel Loi. Celle-ci, c'est plutôt bien donné. Elle
Vous l'avez vu, toujours beaucoup de préparation chez Christian Fazino. Beaucoup de soins accordés à la donnée, à sa consistance. Parce que tout ça maintenant s'évalue à l'œil. Et toujours autant de précision. Cette boule derrière, elle a fini par souffrir. Là. C'est... Ah, je n'avais rien dit, hein, Pierre. Elle a souffert de la main de. Je m'étais tu depuis. Je m'étais tu depuis deux boules. Voilà, remarque de monsieur l'arbitre, très certainement sur le fait qu'on a certainement bouché deux trous depuis. Alors soit on a bouché deux trous, ou soit il a prévenu les joueurs qui ont instinctivement bouché le trou de tir et qui ensuite donc n'auront pas le droit de reboucher un trou. Ah oui, peut-être. J'ai l'impression que c'est plutôt ça, puisque Michel Van Capelle a dit « Ah oui, mais c'est un réflexe. » Et oui, c'est le réflexe de boucher le trou, et après, on n'a plus le droit de boucher un autre trou, évidemment. Il va retirer Van Capelle. Deux boules à trois, c'est pas encore s'il frappe, c'est pas mal. Non, il s'envoie. Michel Campenout, il le dit, je crois. C'est pas tout à fait ça. Allez, il faut venir se coller à la boule. Hein. C'est une des choses qui pourrait peut-être éventuellement éviter une grosse semaine. Ouais, en tout cas, je pense que le. Voilà, Fazino n'était pas très content tout à l'heure parce qu'il pensait faire le break, passer cette 3 là, sur la main précédente. Mais là, cette occasion de break, elle y est là, avec 3 boules contre aucune, hein, une fois que Riel aura joué. Il faut vraiment qu'il embouchonne ou qu'il vienne se coller à la boule, ça serait vraiment le meilleur des scénarios. Pas très bien répondu. Alors tout à l'heure on avait 4 boules de rajout, on en a rajouté 2. Et là on a 3 boules de rajout. En tout cas c'est un constat qu'il va falloir faire du côté de l'équipe des Signes, hein, parce qu'en deux mains là ils ont laissé beaucoup de boules adverses enfin, entre les mains de leurs adversaires. Et là, si ça continue, il faut que ça s'inverse pour Dessine, parce que ça va devenir dramatique. Alors, certainement un deuxième point. Non, Vincent fait signe que le point n'a pas été gagné, et donc Bousquet va devoir tirer pour deux. Mais Fazino, lui, il aime bien bien sûr quand même, hein. Il a raison. Ouais, il faut toujours être sûr quand on voit au rond, même si c'est pas. C'est ça. J'avais un vieil ami qui disait tant qu'on mesure, on ne perd pas. Il n'y a pas de meilleure vérité en tout cas. Alors, on peut choisir, hein. on peut tirer pour deux. Ou on peut aussi jouer face à la boule, hein, elle a besoin de quelques centimètres. On a choisi de tirer.
Oh là là, ce petit recul qui procure au troisième point Clément Bousquet. Là, la punition, elle est là pour Michel Blois. Ça va être très certainement 4 points. J'avais parlé d'avertissement sans frais là, la semaine précédente et ils n'ont pas su se remettre en cause. Du moins, ils n'ont pas très très bien joué leur boule, donc forcément, les brondillants vont en profiter. Alors, Clément Bousquet qui a eu les recommandations surtout de ne pas jouer entre les deux boules. Ah, c'est bien joué, 4 points. Clément Bousquet qui est un joueur de grand talent et puis un joueur qui est, qu'on voyait parfois jouer un petit peu vite jadis. Maintenant il a réduit le rythme en compagnie de Christian Fasino et puis ça devient vraiment un joueur de haute compétition, on l'a vu à la fin de l'année dernière pour le Trophée des Villes. Et puis il a été un grand artisan de la victoire en Coupe de France en participant à presque toutes les parties. Et il a même la responsabilité du jet du but. Je pense qu'on va dépasser les 10 mètres. En tout cas, pour l'instant, Stéphane est parti à sens unique, on peut dire ça, parce que si y a deux mains, le Fasino avait réussi complètement sa main, on sera 11-3. Il y a pour l'instant un gros problème à résoudre du côté de Lois, Ril et Van Capenout. Ouais, Lois ont tiré les premiers, mais n'ont pas remarqué l'appui. Hein. 3-0, 3-9. On les avait sentis très inconstants quand même lors du 8e de finale et ça se confirme dans cette partie. Hein. Alors évidemment, ce sont des garçons qui ont tout à fait les capacités à renverser la vapeur. Hein. Mais déjà, il faudrait que Guy Vincent leur laisse une ouverture. Hein. Puis pour l'instant, ça ne s'est pas produit. C'est encore une entame très correcte. 10 mètres, il joue accroupi. Bravo, hein, vraiment. Là, il met la table hein, pour l'instant, vraiment depuis le début de la partie. Qualification de l'équipe de Montluel, le comité de la Roger Poucard, Anthony Rousseau et Cédric Murgia. Première équipe qualifiée pour les demi-finales. Ah, il a réagi, Van Capenout. Ben oui, il est repassé pointeur. On le sentait pas désireux d'aller tirer, donc il a décidé de reprendre le point de tête. Et avec succès. Petit palais qui procure un deuxième point à l'équipe de Bron. C'est à nouveau très bien joué. Alors, elle a un petit peu roulé cette boule. Et un petit peu trop. Hein. Un petit peu trop, il a. Il en a coupé un, mais. Oui, c'est ça. J'ai l'impression qu'il me faut une jumelle pour voir les boules là-bas au fond du jeu. On est vraiment à la limite du 10 mètres. Blesser la boule, est-ce que ça suffira à lui donner le point? Peut-être pas, parce qu'on n'a pas bougé du tout du côté de Fasino, Vincent et Bousquet. Ça va
pas arranger les affaires de Décines, qui se trouve encore dans la difficulté. Parce que là, 10 mètres, on demande des miracles, hein, pratiquement. Pour. Alors, le seul petit point positif qu'il pourrait y avoir, c'est qu'en pinçant un tout petit peu le but, il peut s'en faire deux. Mais bon, là, ça serait certainement pas forcément volontaire. Et on va... Je pense plutôt qu'on va... On va tirer. Je le recommanderais quand même, parce qu'on joue quand même 4 points en face. Et il faudrait... En mettant une boule au fond, on se mettrait quand même un petit peu plus à... Une position un petit peu plus confortable. Pour ça, il faut frapper. Voilà. Ah, mais la boule n'est pas sortie, attention. Hein. Elle est toujours en jeu. Ah non, non, elle est sortie, elle est sortie. On est vraiment loin, on est vraiment loin de l'action. Voilà, mais déjà, il a fait une chose, Michel Loi, c'est qu'il a mis une boule au fond. Un petit peu à l'abri de ce qui pouvait arriver si on continue à pointer. Partie droite cette boule. Alors 3 boules. 2. On va tirer parce qu'il y en a 2 en frappant. Et que on a l'avantage de boule et on ne sait jamais. Il y a 10 mètres, tu l'as dit Stéphane, donc ce sont des mains où on voit forcément à un moment ou à un autre un peu de déchets. Alors, deux boules à deux, le point pour Décines. Je crois qu'il a choisi de tirer, Christian Fazino. Il a 2 points frappants, et puis on l'a vu, hein, ça n'a pas l'air très facile d'y aller. Christian Fazino qui n'avait tiré qu'une fois dans cette partie, et qui a fait palais pour une main de 2. Donner la première qualifiée pour la demi-finale dans la compétition. Le soleil brille à nouveau au-dessus de Décines. Il y a quand même un petit peu de souci à se faire là il y a quelques minutes. Voilà, l'équipe 107, équipe par des choses, première équipe qualifiée pour la demi-finale, pas d'adversaire pour l'instant, évidemment. Maintenant c'est Fabrice Ril qui va avoir 2 boules pour essayer de marquer. Ils en ont bien besoin, les joueurs en blanc. Décidément, les Bon et Décines sont attaqués de toutes parts, hein, par les boules adverses. Tout à l'heure, ça venait de la gauche, là, ça vient de la droite. C'est l'équipe de 104, l'équipe de la Mécanique des Marais, le département de l'Allier, Lucette Salo, Laurence Delage et Martine Spinoz qui viennent de se qualifier pour la quart de finale. Ils seront opposés à l'équipe de la Pétanque Rouennaise, Linda Batou, Saint-Angers, Sandy et Viviane Ray, le comité de la Drôme. Ah, c'est regagné. C'est regagné intelligemment parce qu'il donne quand même à Ril un risque de contre.
La prévoyance voudrait peut-être de pointer la première. On va tirer, mais ouais. On l'a discuté pour être sûr d'avoir pris une décision qu'on ne regrettera pas quoi qu'il arrive. Alors il faut frapper à celle-là, hein, parce que sinon après le dernier tir ce serait dangereux. Ouh là là, c'est manqué. C'est manqué. Et maintenant, oui, le tir il est un peu chaud. Parce que si Fabrice Rill venait à faire un contre sur la sienne, elle perdrait 3. D'un pas décidé. Ah ben oui, de toute façon le risque il faut le prendre, hein, parce que je pense que il faut marquer, hein, 3 à 9, hein. Mais le risque il est là. Ah, c'est bien tiré, il n'est pas passé très très loin de la sienne, hein. Mais en tout cas ça fait un point pour Dessine, hein, qui n'est plus mené que 4 à 9. Ça faisait quelques mains qu'il n'avait pas marqué, hein. C'est une petite bouffée d'oxygène là. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? Depuis le début de la partie, on joue très très loin, entre 9 et 10. Là, il faut remonter pour l'équipe en blanc. C'est certainement de ça qu'on discute. Hein. À quelle distance est-ce qu'on met le bouchon? Est-ce qu'on joue près? Est-ce qu'on continue à jouer loin? On continue à jouer loin. C'est des tirs qui donnent des regrets. Hein. On a vu Michel Loi en fournir quelques-uns, et puis là, Clément Mousquet, pourtant il a un tir qui peut être fusant, et là, il a manqué la boule 20 devant. Ah, il est droit comme il, hein. Là, ouais. Il peut pas être plus droit. Hein. Allez, il faut y retourner, parce que le point là, il est très très bon. Et il n'a pas fait passer. Et là, voilà peut-être l'embellie, l'ouverture là, pour l'équipe des Cid. On va jouer la troisième roue là, du côté de Bron. On va se concerter, mais très certainement on va tirer à 5 boules contre 3. Ah non, je suis un petit peu étonné. On a décidé de faire pointer Michel Van Capenout. Effectivement, le point n'est pas. Le point de Vincent est à 80 cm, 70 peut-être. Donc il y a un petit peu de place. Et ça, c'est magnifiquement joué. Vous l'avez vu, il a envoyé la boule un petit peu au-dessus du jeu avec cet effet rentrant. C'est extrêmement bien réalisé de la part de l'ancien champion du monde belge. Fasino qui a pris le tir. Ah, pardon,
Je voulais dire qui est au tir. Et le petit carreau qui va bien avec cette boule qui s'immobilise 35 cm derrière le rond, derrière le but. Et qui ferme un petit peu le jeu. Ça. Ça, alors ça, il a joué la même que Van Capenhout, mais de l'autre côté, avec, avec l'effet rentrant contraire. Voilà, ces deux boules, on va les garder, on va les montrer dans les écoles de pétanque. Tiens. La particularité de ces deux joueurs, c'est que ces deux droitiers, mais il y en a qui passaient à droite, il y en a qui passaient à gauche. C'est ça. Pour le jeu qui était tout à fait identique. C'est ça, et Reed, il a pris le côté qui est le plus difficile pour les droitiers. Sur la droite. Allez, le replay là, de cette magnifique reprise. Et je disais. Ah, ils en recueillent le fruit. Hein. J'étais un petit peu étonné tout à l'heure que Dessine décide de partir avec deux boules d'avance au point sur cette. Mais là, les deux reprises successives m'ont convaincu que c'était la bonne solution. En blanc, il va falloir quand même réitérer le gros exploit là qu'ont fait Ril et Van Capenhout pour aller au bouchon. On sait que faire un coup comme celui qu'a fait Ril, c'est très difficile, mais alors le réitérer, arriver à faire 2 sur 2, c'est très 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 compliqué. Il faut déjà qu'il passe au moins les deux boules de devant, ça pourrait éventuellement. C'est ça, faire un tir à deux pour Michel Blanc. Déjà passer les deux boules de devant, ça c'est le minimum syndical. De toute façon, il envoie à hauteur de ces deux boules, donc il les passera. Hein. Et ben voilà, avec un petit coup d'épaule en passant, et qui ouvre complètement le jeu cette fois. Michel Loire, il n'aura pas du tout besoin de mettre des fers rentrants, il peut jouer droit jeu. Et attention, parce que s'il faisait carton plein, Michel Loire, ben, il reviendrait tout simplement à une longueur de ses adversaires. On n'est pas là. C'est le point qui est en troisième position, là, que vous voyez en fond de jeu, ben, il est très très bon. Donc, pour rajouter là-dessus, il faut vraiment une extrême précision. Oui, il est court, il est très très court. Par contre, il s'est mis la boule éventuellement à rentrer. Il faut qu'il mette celui-ci hein, pour payer la main parce que ça serait quand même un petit peu de déception, je pense, de ne pas faire plus que 2 points. Alors, est-ce qu'il se pose la question à jouer la boule ou de la jouer nature? À jouer nature le point. Surtout, il faut qu'il choisisse un côté, hein. Il faut qu'il passe à côté de sa boule, donc il peut choisir la fenêtre sur la droite et puis ou alors jouer comme Ril. Et il est entré dans sa boule, il a peut-être fait un troisième point. Ouais.
une partie qui est relancée. Deuxième équipe qualifiée pour les demi-finales dans la compétition féminine, l'équipe du comité du Rhône, le club de Vernon. C'est à Fasino de choisir la distance et l'emplacement du bouchon. Ça sera dans une partie du terrain où on n'a pas encore joué. Allez, on va dépasser dans quelques secondes l'heure de jeu. 9 à 7 pour Fasino et on démarre la 8e main. Comme tu l'as dit, la partie est relancée là, même s'il y a un petit avantage à Christian Fasino. 9 à 7, rien n'est fait, tout le monde est dans la gagne. Ouh là là, celle-là, elle a oublié de freiner la boule devant Capenout. Ça va être un point facile à gagner pour Vincent. J'ai pas voulu te reprendre quand tu as dit l'endroit où la boule a frappé, on l'a entendu d'ici. Hein. Ça devait être. Une grosse pierre. Mais c'est pas dans tes habitudes hein, de parler d'un point facile. Oh ben là, quand même, je pouvais le dire, hein, le point de Van Capenout est à un mètre derrière. Et d'ailleurs, jugé par la tête de Guy Vincent, pas trop content d'avoir perdu. Hein. Allez, on va faire feu de tout bois dans cette main. Oui, ben, sûrement jugé que c'était difficile de bien pointer dans ce coin-là. Faire pointer que pointer soi-même. Les frappes sont très très dures. Bah, tu l'as dit, hein, c'est une partie du terrain qu'on a très peu, peu vu là devant la web télé. Donc, ouais, puis il ne peut pas s'en plaindre, Christian Fasino, parce que c'est lui qui a choisi de jouer là, et certainement parce que c'est très dur. Hein. En tout cas, c'est demi-mal hein, pour Fasino, parce que sa boule était beaucoup plus longue que ça. Oui, et elle a percuté la boule voilà, noire, ce qui a cassé un point. C'est ça, il avait laissé deux points au sol. S'il était passé derrière, il laissait deux points, il se retrouvait avec un gros déficit de boule. Alors, loin moi de penser à une issue finale dans cette main, mais attention. En tout cas, on voit que pourquoi Michel Loi a tiré. Mais comme il a tiré, la logique voudrait qu'il tire encore. Hein. Parce que maintenant, le point de Fasino est plutôt bon. Je pense que la décision n'est pas encore prise. Eh ben, parce qu'il y a ce risque de contre. Et puis, il y a aussi le fait que si on fait la reprise, c'est la boule de Dessine qui sera positionnée en contre. Mais... Franchement, je pense qu'ils ont décidé de tirer sur la première boule. Ah non. Campenout veut pointer.
Ouais, où on lui a demandé de pointer. Oui, du coup, je l'ai appelé Campenout, c'est 20 Campenout. J'ai bien levé ses titres de noblesse. Alors, 3 boules à 2 pour Dessine, mais le avec le point. Ah ben voilà, en fait c'est ce qu'on voulait faire, hein, c'est-à-dire c'est mettre Bousquet sur un contre. Allez Clément, allez. Alors il peut contrer la sienne, il peut aussi contrer la celle de à la première devant Campenout. Mais il a contré rien du tout parce que c'est manqué. Et donc peut-être un score qui va encore se resserrer. Il faut bien pointer parce que le loi il a toujours un tir à deux. Ouf. Elle s'est enterrée cette boule. Est-ce qu'il est rentré en troisième position? Oui certainement. On ne serait pas encore en train de réfléchir, je pense. S'il y avait le tir à deux, il ne doit plus y être. Alors c'est très épais hein, à l'endroit où a envoyé Clément Bousquet, donc je pense qu'il va envoyer à ce niveau-là. Et puis essayer d'être au moins en troisième position. Avec une boule certainement beaucoup moins soulevée. Avec beaucoup de rotation. Alors c'est bien joué, c'est rentré, c'est sûr. Est-ce qu'il en a mis un deuxième ? Peut-être. Peut-être, même certainement, parce que sinon, Lois serait parti tirer pour deux. Ça me paraît bizarre qu'il y en ait deux, mais bon. On n'est pas très bien placé, les joueurs sont mieux placés que nous. Oh, si on n'avait pas deux, ils tireraient, Lois. Bah oui, mais ouais. Ouh là, là, il y en a trois, alors. Peut-être qu'il y en a 4, on va compter la recette, hein, mais en tout cas, 1, 2, 3, voilà, c'est ça. 4, hein, certainement, puisque Fasino a immédiatement levé sa boule. Voilà, un renversement de partie, saisissant Stéphane pour une équipe qui était menée il n'y a pas si longtemps, 9-2. C'est bien ça. Et c'est maintenant l'équipe Lois donc qui prend la direction des opérations. Et comment avec cette entame de Van Campenout? Avec Clément Bousquet qui est un petit peu dans le dur là en ce moment au tir. Il va falloir tout de suite réagir. Il tire très vite, il s'apprête à retirer très vite. Alors Fasino se met au milieu, vous voyez, pour boucher le trou. On temporise un peu, on tire un peu sur les rênes là, parce qu'il faut absolument qu'il frappe Clément Bousquet. Voilà, il prend son temps, c'est bien. Là, il s'est manqué et là, ça se complique pour Bron. On est désolé pour l'ami Damien Ruiz qui suit peut-être cette retransmission. Qui risque d'avoir quelques douleurs supplémentaires dans le bas du dos, hein, malheureusement. Alors, c'est compliqué. Le choix est compliqué en tout cas parce que. Si on
sais pas trop qu'est-ce qu'on peut choisir là. Je pense que normalement il faut tirer. Mais Fasino demande à Vincent de pointer. Au cas où il regagnera le point, mais certainement si Vincent perd le point, il partira au bouchon. Et c'était bien essayé, ouais. Il a joué pour faire le. Il a joué en direction de la boule de Van Kampenhout. Et maintenant par contre le tir est extrêmement délicat. Je pense que Fasino va partir au but. J'ai l'impression qu'il n'y a que seul Fasino qui le sait pour l'instant ce qu'il va faire. C'est ça. Ouais, tir et but. Ça, j'ai lu sur ses lèvres. Ah bah non, il faut. Il va tirer à la boule. Oh, c'est un tir extrêmement délicat hein, parce que s'il attrape demi-boule, il va contrer et puis il sera sur la perte. Hein. Donc il faut vraiment très 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 bien la tirer cette boule. Je serais tenté de dire elle est belle pour faire un carreau là. Oh là là là, oh là 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 là, il était au pied de la boule, et il ne l'a même pas déplacé d'un centimètre, c'est... il a souri Christian Fasino, pourtant il n'a pas envie de le faire, mais franchement, c'était pratiquement le tir parfait, je ne sais pas qu'il pensait faire un carreau sur la boule. Est-ce qu'on va avoir droit à un petit replay de notre ami Lionel Zanet. Oh, ça c'est la folie, hein, de manquer une boule en tirant comme ça. Ah nous on était en face, moi j'ai vu carreau, hein. On était en face. Alors maintenant, il va réfléchir comme à son habitude, mais franchement, je pense que maintenant, ça va partir au but. Allez, le petit replay là, proposé par Lionel Zanet, regardez un petit peu. Ouf, ah ouais, c'est incroyable. Attention, attention, parce qu'il a une seule boule pour le frapper le bouchon, Christian Fasino. La terre s'est arrêtée entre les deux. J'en reste sans voix, je reviens pas encore qu'il ait manqué cette boule 2 cm devant elle. Envoyé, mais ça a très très mal frappé. Il va falloir simplement pour gagner maintenant pour Michel Loi frapper la boule qui est en deuxième position. Ce sera ensuite facile de mettre le 13e. Oula, c'est un qui a frappé. Ah, il s'en sort bien Michel Loire parce qu'il avait. Il pouvait la chasser, sa boule, elle est restée là. Il va tirer à nouveau pour faire de la place et pour simplement. Alors attention au but quand même, parce qu'il y a des boules adverses qui attendent derrière. Et non, mais il tire pas au but, il tire à la boule, mais... deuxième position. Oui. Non, mais c'est vrai que dans ma tête, quand tu as dit qu'il a failli taper la sienne, il est quand même tombé sur la. Et oh là là, et ça se passe encore bien hein, parce que cette boule devait être au fond et puis maintenant il tire à deux Fabrice Ril. Hein. J'ai déjà vu 5 trous sur une boule. Oh là là, je crois quand même que les actions de Fasino sont en chute libre là. Je ne vois pas très bien comment ça pourrait arriver. Mais évidemment, les boules sont dans les mains, tu as raison Stéphane. Ril avait deux boules en main, ça ne peut pas arriver. Et voilà, c'est terminé avec la victoire de Michel Loire, Van Kampenhout
et Ril face à Christian Fasino qui avait dominé cette partie de la tête et des épaules. On se rappelle qu'il était mené 9-2 je crois, et il aurait même pu mener 10 ou 11-2, et cette partie s'est renversée tout à coup et contre toute attente c'est Michel Loi qui a gagné. En tout cas, de toute façon, c'était le choc de la journée, hein, puisque très certainement maintenant cette équipe de Décines va être la grande favorite de cette journée là de championnat de ligue, triplette en Auvergne-Rhône-Alpes. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à suivre cette partie et puis qu'on débriefe. Et puis finalement, alors c'est pas la joueuse de la partie qu'on va élire, mais c'est plutôt le joueur de la partie. Est-ce qui te concerne, Stéphane? Moi, j'ai trouvé quand même Guy Vincent extrêmement précis au point. Donc pour moi, je pense que malgré, c'est toujours difficile de mettre un top joueur dans l'équipe perdante, mais pour moi c'est vraiment le top joueur. Il a très peu failli, alors un petit peu moins sur les dernières mains, parce qu'on se rappelle toujours des dernières mains forcément, mais il a vraiment mangé le but. Les autres joueurs ont souvent alterné le bon et le moins bon. Pour moi, c'est Guy Vincent. Après, je ne sais pas toi ton choix, je ne sais pas nos amis boulistonautes ce qu'ils en pensent, mais ça c'est mon choix. Ah, moi, mon choix, ça sera Christian Fasino. Alors, il a fait du bon, il a fait du moins bon, mais quand on a la chance de pouvoir assister à une partie jouée par ce jeu, je ne sais même plus comment l'appeler, quoi, par cette légende de notre jeu, mais on est là et on passe toujours un moment unique, hein, quel que soit le jeu qu'il fournit d'ailleurs, parce que c'est chaque fois des leçons de pétanque qu'on prend, des leçons de stratégie, des leçons de maîtrise, de mise en place. Voilà. Donc, pour moi, le joueur. Simplement parce qu'il était là, c'est Christian Fasino. Voilà, et bien on a chacun notre choix, vous on vous laisse décider. Et puis en tout cas, ben vous allez pouvoir revoir les meilleurs moments de cette partie dans quelques instants. Et puis nous, on va se donner rendez-vous dans ben presque tout de suite, certainement, pour... Demi-finale et puis une partie qualificative pour le championnat de France, tout simplement, hein, puisque de toute façon les deux finalistes iront à Perpignan et donc on vous donne rendez-vous mais tout de suite là, sur la Web TV Boulistonautes pour vivre avec nous cette demi-finale du championnat de ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Bye bye, à tout de suite.